c'est quoi ce monde? Où est-ce qu'on est? Ça alors? On arrête ici! Et regardez-nous! Tu sais à quoi sert la magie? On doit protéger l'ordre du monde! Qui va protéger l'ordre contre eux, du coup? Des cœurs! Ils sont nouveaux? Hein? Donc vous êtes les nouveaux jouets d'Andy? Des jouets? Vous avez mis une sacrée pâtée à ces intrus! On a peut-être une idée de ce qui se passe par ici. Vous voulez qu'on s'en occupe? On devra travailler ensemble. Ça marche. Joli combat. Merci, Sora. Einer, Pence, Olette, ça faisait longtemps. Quoi? Ça fait pas si longtemps? J'ai entendu dire que tu étais reparti à l'aventure avec ces deux-là. J'espère que Donald se tient à carreau et ne te cause aucun ennui. Pourquoi tu as dit ça? Roxas n'aurait jamais dû exister en premier lieu. Ce que tu cherches est impossible à faire. Roxas existe vraiment. Son cœur est à l'intérieur du mien. Il n'y a qu'un seul et vrai moyen de faire revenir Roxas. Et c'est en abandonnant toi aussi ton cœur aux ténèbres. Sora, t'es-tu enfin décidé à faire appel aux ténèbres? Les ombres d'un cœur remplissent le vide d'un autre. Vois-tu comme elles lui donnent vie? À l'instar des sans-cœurs et des simili, ils se complètent. Ça suffit! Pourquoi est-ce que tu fais ça? Vois-tu, il nous manque encore un fragment de ténèbres. Je sais ce que Roxas ressent, le fait d'être perdu. Mais Donald et Dingo, et Kairi, ils m'ont ramené en le souhaitant de tout leur cœur. Donc, j'espère que vous ferez pareil pour Roxas. Souhaitez qu'il revienne. Je pourrais très bien me faire manipuler et vous attaquer. Buzz! Fais-le alors. Les ombres ne sont jamais bien loin. Maintenant, libère ton cœur. Les ténèbres sont la vraie nature du cœur. Peu importe ce que tu dis, je m'en contrefiche. Rends-nous tout de suite notre Buzz d'avant et ne reviens pas! Les sans-cœurs, les ténèbres, elles ne s'infiltrent que si notre cœur faiblit. Crois-moi, tout ira bien si tu ne perds pas courage.